Alors, vous remarquez qu'au fur et à mesure que je vais dessiner, le chien va disparaître. C'est pas génial. On voit apparaître la transparence. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que le masque de fusion apparaisse en transparence sur l'image. Parce que pour l'instant, voilà, il agit. On dessine en noir dans le masque de fusion, et là où on dessine en noir, ça fait disparaître les pixels. Mais le temps de travailler et de créer la silhouette du chien au pinceau, on va le faire apparaître en transparence. Alors pour ça, il va d'abord falloir faire ceci avec la touche majuscule, cliquer sur la vignette ici, pour désactiver le masque. Donc il est inactif, donc les pixels réapparaissent. D'accord ? Logique. Ensuite, vous allez dans la palette des couches, parce que ça c'était la palette des calques, menu fenêtre, couches. Voilà, vous avez les couches constitutives de l'image. On peut faire les vignettes plus grandes si vous voulez, comme dans la palette des calques. Donc dans le menu ici, option de panneau. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, on est en train de travailler sur le masque, ça se voit. C'est la couche qui est en surbrillance. Elle est différente des autres. Si jamais vous cliquez sur la partie gauche, là, ce sont les couches rouge vert bleu de l'image qui se sont activées. Partie droite, c'est à nouveau le masque. Je dois à nouveau le désactiver avec la touche majuscule parce que, voilà, c'est parti la croix rouge. En tout cas, voilà, vous voyez qu'on est en train de travailler sur le masque. Et on va simplement l'afficher. Il suffit de cliquer sur le petit carré ici et il s'affiche. Et vous devriez voir, donc, les pixels noirs qui sont dans le masque s'affichent en rouge transparent. Ils sont là. Donc je peux continuer à dessiner en noir. Le museau ici, qui est quand même assez net. Voilà. Donc, travailler un masque en transparence comme ça, ça ressemble assez fort à ce que pas mal de gens connaissent. C'est travailler une couche alpha en transparence. Sauf qu'ici, on a vraiment triché, on a fait un petit hack dans Photoshop en désactivant le masque et en l'affichant malgré tout. On arrive à travailler dans lui. Il s'affiche en transparence. Alors, je vous montre pour la suite. Regardez et vous allez tester après. Regardez parce que l'erreur, c'est qu'on ne regarde pas et puis après, on fait n'importe quoi. Donc, je sais comment ça marche. Je vous demande de vraiment regarder avec CTRL-ALT et le bouton gauche de la souris du Mac, je modifie la dimension et le flou et je vais aller travailler ici comme ça. Je crée les poils flous à cet endroit là. Alors si jamais je dépasse, évidemment je peux faire CTRL-Z. Si j'ai dépassé vraiment plusieurs fois, CTRL-ALT-Z pour aller plusieurs fois en arrière. Ou alors je peux faire X, ce qui va inverser les cases de premier plan et derrière plan. Et je dessine en blanc par l'extérieur. Les deux sont possibles. Donc, pas interdit du tout, bien sûr, de faire plusieurs annulations avec commande Alt Z sur le Mac. Ou alors, on enfonce la touche X, ce qui revient à appuyer sur la petite flèche ici, la touche X. Ok, je continue. Voilà. Là, ça peut être plus facile de faire comme ça, et puis avec la touche X, de venir retoucher. Voilà. Donc, je n'hésite pas à modifier le flou de la brush. Attendez, c'est pas fini, parce que sinon c'est la cata. Je sais qu'il y a des horreurs qu'on me fait. Et il faut vraiment moduler. Vous voyez que je n'hésite pas à prendre une grosse brush à bord flou, et à venir comme ça faire le duvet. En fait, quand on va sortir le chien de son décor et le mettre dans un autre décor, on va voir à travers les poils le nouveau décor, et ce sera vraiment réussi à ce moment-là. Alors, il ne faut pas essayer d'être nécessairement hyper près des poils. Hein. Je veux dire, il n'y a personne qui va venir discuter s'il manque 2-3 touffes de poils. Hein. Ici, c'est l'ambiance générale qui compte. Hein. Ok, alors je vous montre quand même un peu plus loin, voilà, je vais faire ici, alors c'est pas évident du tout,
Le secret, c'est d'y aller à la grosse brush, en fait, hein, pour recréer le duvet. On pourra enlever le collier à un certain moment. Bon, je pense que là, vous avez compris le principe. Regardez bien la grosse brush que j'utilise. Hein, et je laisse le bout des poils en dehors de la zone rouge transparente, là. Alors, autre chose, il est possible que, voilà, quand vous travaillez comme ça sur une image qui contient beaucoup de rouge, le rouge transparent, vous n'allez pas vraiment le voir. Donc, il est possible de modifier la couleur des pixels noirs du masque, puisque c'est ça, ce sont des pixels noirs dans le masque que je suis en train de dessiner là, et ils apparaissent en rouge. Donc je vais là double-cliquer sur le masque dans la palette des couches. Ici, je vais pouvoir choisir la couleur, et par exemple, je vais pouvoir mettre du vert vif. Ok, ok, et voilà. Je double-clique à nouveau. Vous avez l'opacité ici. Il est possible de modifier, je vais passer à 30%. Voilà, c'est un peu moins opaque. Et vous pouvez choisir d'autres couleurs, mais en général, on choisit des couleurs vraiment franches, comme le rose, le vert, le rouge. Voilà. On peut faire du vert un peu moins saturé si on veut aussi, et modifier l'opacité. Donc c'est vous qui choisissez, ça dépend aussi de vos habitudes de travail et de l'image. Ok, ben allez-y, essayez de... D'abord, on peut sauvegarder ça. Ah oui, on va sauvegarder parce que ce qu'on a fait jusqu'à présent, si on ne le... si ça plante, ben, on risque de ne pas le récupérer. Donc, je fais fichier enregistré sous et j'enregistre ça au format Photoshop. Je mets un numéro à la fin parce que je vais enregistrer régulièrement sous un nom différent, bien entendu. J'ai raccourci le nom. J'avais pas besoin d'un nom aussi long. Voilà. Comme ça, c'est enregistré. Déjà, ce que j'ai fait jusqu'à présent ne sera pas perdu. Alors, si vous n'êtes pas certain que c'est une image que vous allez finalement utiliser, vous pouvez faire ça assez vite parce que ce sera retouchable après. Je veux dire, ça ne sert à rien de passer un quart d'heure à faire un bon détourage comme ça si pour finalement se rendre compte que l'image c'était pas la bonne, qu'il fallait utiliser une autre. Donc vous avez la possibilité de faire ça comme un bourrin mal fait et après de corriger. Alors, pour faire des lignes droites dans Photoshop, je vous montre ça, ça peut être pratique. Clic, majuscule clic, ça fait des lignes droites. Je vais recommencer ici, sur l'autre patte. Est-ce qu'il y a des lignes droites? Oui, à peu près ici, oui. Clic, majuscule clic, voilà, ça fait des lignes droites. Ça, ce sont des techniques qui fonctionnent depuis très longtemps. N'essayez pas de remplir l'intérieur du chien. Faites juste le tour extérieur. S'il y a des herbes devant les pattes, vous ne vous occupez pas des herbes, on pourra les enlever par la suite. Ce qui est bien, c'est qu'on fait du non-destructif. Donc si, à un certain moment, il faut retoucher parce qu'on a mal fait les choses, qu'on a fait disparaître des pixels et qu'on n'aurait pas dû faire disparaître, c'est pas un problème. C'est du masquage, ce n'est pas de la suppression. Donc le masque de fusion est justement apparu dans Photoshop pour éviter d'effacer les choses.
Et voilà. Alors, on va afficher le masque en grand dans l'image. Touche Alt sur le masque. Dans la palette des calques. Oui, parce que j'ai essayé de la palette des couches, j'étais un peu distrait. Mais non, c'est touche Alt, une fois, deux fois, dans la palette des couches. Cliquez sur le masque et voilà, on voit le contenu du masque. Alors ici, je vais fermer l'endroit du collier parce que sinon ça va me poser un problème. Voilà. Donc si vous avez un trou, fermez-le. Voilà. Parce qu'on va utiliser maintenant la baguette magique, qui est vraiment l'outil le plus pourri qui existe dans Photoshop, mais qui est parfois utile quand on doit sélectionner des choses infographiques, des aplats de couleurs, pas dans des photos, mais dans des infographies. Mais voilà, si vous utilisez la baguette magique en milieu professionnel sur des photos, en général, on sait tout de suite que vous êtes un débutant qui n'y connaît rien. C'est vraiment l'outil le plus pourri. Mais ici, on va quand même pouvoir éventuellement l'utiliser. Alors, je prends la baguette magique. Alors, ceci n'est pas la baguette magique, c'est l'outil de sélection rapide. Derrière ça, vous avez la baguette magique. D'accord ? Alors, avec la baguette magique, on va cliquer sur la zone blanche à l'intérieur du chien. Ça sélectionne la zone blanche. Et le problème, c'est que si on remplit par du noir comme ça, ben, ça va laisser des traces blanches. D'ailleurs, on peut le faire. Édition, remplir avec noir. Édition, remplir avec noir. Normal 100%. OK. Voilà, vous voyez, la baguette magique n'est pas allée chercher dans le flou du pinceau. Donc ça fait un truc foireux. J'annule. Le remplissage, vous pouvez faire aussi remplir avec la case qui est là au premier plan, qui est du noir actuellement, avec Alt Delete. Ça envoie la couleur dans la zone sélectionnée. Enfin, de toute façon, j'annule, c'est foireux. Et je vais, avant de remplir, je vais élargir la zone de sélection. En faisant Sélection, Modifier, Dilater. Sélection, Modifier, Dilater. Alors, de combien de pixels ici, à vue de nez, je vais essayer avec 8 pixels, on va voir ce que ça va donner. Regardez bien la sélection, elle va s'élargir. Voilà, ça élargit. Et là, on déborde sur les traits noirs, mais pas encore assez, à mon goût. Et vous voyez que je zoome sur la partie la plus sensible, la plus petite de ma sélection, la plus fine, quoi. Sélection, modifier, dilater. J'ai encore essayé, 8 pixels, ok, voilà. Ok, si je fais plus, ça risque de déborder. Ça risque de déborder en dehors des limites que j'ai dessinées. Je peux essayer quand même un peu plus. Je vais essayer encore de faire du 4 pixels de dilatation. Ok, voilà. Ok, ça c'est pas mal. Donc finalement, dans mon cas en tout cas, Ça dépend comment vous avez fait votre trait aussi. Mais en tout cas, n'hésitez pas à zoomer sur le museau du chien, qui est quand même certainement la partie la plus sensible, pour vérifier que la dilatation de la sélection ne va pas déborder en dehors des limites du pinceau que vous avez dessiné en noir. Là. Ok, Alt, Delete, j'ai rempli par du noir. Voilà. Donc, j'ai pas dû faire ça au pinceau, c'est déjà ça. Je désélectionne, sélection, désélectionner. Et puis, au pinceau, je vais zoomer et dessiner en noir. Donc c'est bien, c'est important de désélectionner, évidemment. Et je vais dessiner sur le trait en noir. Et je vais remplir l'intérieur des pattes en noir aussi. Remarquez que je zoome et j'utilise la barre d'espacement. Alors, j'enregistre toujours. Alors voilà, on va utiliser le masque maintenant. Donc, je sors de l'affichage du masque en entier avec
en cliquant sur lui avec la touche Alt dans la palette des calques. Et donc, tout logiquement, les pixels noirs dans le masque masquent le chien. À moins que vous ayez modifié le fonctionnement du masque de fusion en double-cliquant sur lui. Où sont-elles passées ? Là. Voilà, à moins que vous ayez fait ça, modifié ça, voilà, le principe c'est que le masque, ce qui est noir, c'est ce qui masque. Donc, il faut qu'on inverse le masque. Donc, voilà une manière simple d'inverser. Je le réaffiche en grand et je vais dans le menu Images, Réglages, Négatif ou Commande I sur le Mac, Contrôle I sur le PC. Images, Réglages, Négatif. Vous n'utilisez pas un calque de réglage pour ça, bien entendu. C'est pas menu Calque, Nouveau calque de réglage négatif. C'est vraiment modifier les pixels du masque. Voilà. À nouveau, Alt, clic. Et voilà. Donc, vous voyez le damier de transparence. Vous voyez, quand vous zoomez, vous devriez voir le duvet du chien qui apparaît à travers le damier de transparence qui apparaît à travers le duvet du chien. Bon, c'est pas mal. Ça n'a pas l'air très réaliste comme ça, mais quand on va l'intégrer dans un décor, ça devrait passer. Alors, on va quand même modifier le damier de transparence. On va aller dans les préférences. Transparence et couleurs non imprimables. Ça, on a déjà fait, je pense, non ? Allez modifier la manière dont le damier de transparence s'affiche dans Photoshop. Parce que bon, le damier, il est quand même assez désagréable. Si vous êtes épileptique, ça pourrait même vous poser des problèmes. Donc, grille. Donc, je suis bien dans les préférences transparence et couleurs non imprimables. Grille, espacée. Couleur moyenne, voilà, c'est déjà un peu plus buvable comme damier de transparence. Ensuite, je vais quand même aller cliquer sur une des deux couleurs du damier ici et modifier. Par exemple, j'ai cliqué sur la plus claire, ben je vais l'assombrir, voilà, comme ça. Et vous voyez qu'à la fin, on arrive à avoir un damier de transparence qui est quand même assez doux et ça, c'est sympa, c'est pas mal. Et ce sera valable pour toutes les images suivantes dans Photoshop. Ok. Voilà, donc c'était juste modifier le damier de transparence dans Photoshop. Donc ce qu'on vient de faire, contrairement à ce qui se passe dans Illustrator, ce n'est pas lié au document. Toutes les images suivantes dans Photoshop auront un damier qui sera agréable comme ça. Alors voilà, on va déplacer la bestiole vers un nouveau décor. On va aller chercher un décor sur le web. Alors on va réouvrir la version JPEG de l'image du chien parce qu'on va quand même faire 2-3 tests. Comment on fait ça, monsieur ? Donc voilà, depuis la version 2018, il y a un système pour trouver tout seul dans les images le sujet de l'image. Vous pouvez essayer ça, menu sélection, sujet. Alors, vous n'avez pas ça dans votre version à vous. Voyons un peu si vous allez dans le menu Photoshop CC, à propos de Photoshop CC. Qu'est-ce qu'il est indiqué comme version ici ? 19.0, ici c'est la 19.1.8. Donc on a tous la version 2018, mais j'ai une version un peu plus avancée. Donc voilà, enfin, je vous montre, puisque vous n'avez pas malheureusement, je vous montre le principe. Ça a généré une sélection, et je vais la transformer en masque de fusion pour voir ce que ça donne. Menu, calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection. Ça veut dire que ce qui est sélectionné doit apparaître. Voilà, ça marche. Je vais à nouveau aller modifier mes transparences rapidement parce que il m'a oublié ce que j'avais fait tout à l'heure. Voilà, alors si on va regarder ce que ça a donné, c'est pas trop mal pour le museau. Oui, il y a un peu de magenta, mais ça c'est le reflet qui est dans la photo d'origine. Ça peut s'enlever. Par contre, pour les poils,
C'est pas vraiment le duvet, l'aspect duveteux des poils n'est pas rendu. Vous voyez ici, ça foire vraiment quand même. Bon, ça pourrait servir de base. On pourrait démarrer de ça pour retoucher le masque de fusion. Il suffirait donc de le désactiver, clic, majuscule clic. Majuscule clic sur le masque et ensuite palette des couches et aller demander d'afficher le masque en transparence et puis aller le retoucher. Mais bon, à la limite, faire ça, ça prend autant de boulot que de faire ce qu'on a fait, faire une bonne retouche. Ça peut servir à faire des maquettes pour rapidement sortir des éléments de leur décor et les placer ailleurs, faire des tests, pourquoi pas. Alors, je vais faire fichier version précédente. Il y a aussi une version moins automatisée, menu sélection, sélectionner et masquer. Je suppose que vous ne l'avez pas non plus. Menu sélection, sélectionner et masquer. Et là, bon, ben, essayez ça alors, puisque vous l'avez dans votre version, c'est bien. Donc, je modifie la dimension de la brush. Je passe sur le chien, ça sélectionne. On a le niveau de transparence de l'image derrière. Voilà. Voilà. Bon, là aussi, ça peut servir à faire quelque chose de rapide, mais vous allez voir qu'au final, ça va nous faire quelque chose qui ressemble assez fort à ce que la fonction automatisée précédente a fait. Bon, alors clairement, là, quand je joue avec la transparence, on voit qu'il y a des choses qui ont été sélectionnées en trop. Le curseur transparence, vous l'avez aussi. Donc, en enfonçant la touche Alt, ça revient au même que d'aller activer le petit moins à cet endroit-là. Voilà, je vais pouvoir aller enlever certaines choses. Il faut savoir faire malgré tout la sélection comme on l'a vu précédemment. Ok. Et palette des calques, qu'est-ce que ça me dit? Ça m'a fait un masque de fusion que je peux désactiver si je veux avec la touche majuscule. Et retravailler éventuellement en transparence aussi, menu fenêtre, couche. Et afficher le masque. Voilà, modifier sa couleur. Monsieur, il n'y a pas le sens inverse. Voilà, donc à tester. On voit régulièrement des automatismes comme ça qui apparaissent en infographie et parfois ça apporte quelque chose et parfois pas. Vous aviez déjà utilisé ça? Non? Bon, je peux tester pour voir ce que ça donne quand je l'amène sur le désert. Hein. Dans l'image du désert ici, je vais enlever l'œil en face de celui que j'avais amené précédemment. Et j'avais déplacé avec l'outil de déplacement le calque. Ou alors je prends carrément la vignette ici. En tout cas, voilà. Touche F. Et voilà, donc au niveau du réalisme, il me semble que c'est moins réaliste, ça sent plus le photomontage. Ça dépend de la qualité qu'on veut, quoi. Si je réaffiche l'autre, voilà, il s'intègre mieux, il y a du flou sur le bord. Je réaffiche le nouveau, là. Vous voyez, ici. Alors que ce qu'on a fait, il y a de la transparence, l'automatisme, la transparence. Voilà, bon, je jette le calque de l'automatisme, je reviens avec le calque qu'on a fait, nous, manuellement, complètement au pinceau. C'est vrai que ça nous a pris du temps. Donc voilà, vous avez vu qu'il y a possibilité d'automatiser. C'est quelque chose qui existait dans la version CS3 de Photoshop et qui a disparu.
et qui est réapparu dernièrement sous une autre forme, en fait, cette possibilité d'automatiser la sélection. Bon, je reviens quand même ici sur ce que Photoshop nous a généré tout seul en allant dans sélection, sélectionner et masquer. Enfin, tout seul, il a fallu quand même intervenir. Je reviens sur cette image-là. Donc, ça nous a généré un masque de fusion. Si vous voulez, il est possible d'essayer de l'améliorer encore, malgré tout. Mais c'est vraiment du chipot, finalement. On n'arrête pas d'essayer d'améliorer un truc qui était foireux au départ, quoi. Qui était foireux au départ. Donc, pour améliorer, vous pouvez éventuellement double-cliquer sur le masque dans la palette des calques. Ça fait apparaître les propriétés. Parfois, elles n'apparaissent pas. Là, vraiment, elles sont sur le côté. Je vais essayer de reproduire ici. On l'avait vu tout à l'heure, en fait. En double-cliquant sur le masque, voilà. En double-cliquant sur le masque, ça ne m'affiche pas les propriétés, finalement. Il faut que j'aille les chercher sur le côté. Est-ce que vous voyez le panneau propriétés qui apparaît ? Voilà, et dans le panneau propriétés du masque, vous avez déjà le contour progressif, mais qui agrandit la zone. Voilà, ça fait du flou, en fait. C'est comme si j'affichais le masque en grand avec Alt-Click et que je mettais du flou dedans. Ça n'a pas grand intérêt. Donc ça, contour progressif ici, je l'ai sur 0. Par contre, vous avez ici sélectionné et masqué pour améliorer le masque. Et ça vous amène dans une boîte dans laquelle vous avez possibilité d'ajouter du contour progressif. Ben oui, c'est ce qu'on vient de faire. Oui, ok, mais sauf que là, vous avez un curseur en plus qui vous permet de décaler le contour. Donc on va faire rentrer le contour là, ça fait un halo autour du chien, c'est foireux. On va le faire rentrer dans le chien, comme ça, voilà. Décalage du contour. Donc l'idée, c'est de faire du flou avec le contour progressif et de décaler le contour vers l'intérieur du chien. Ok. Et voilà. On a quelque chose d'un peu mieux. Malgré tout, je ne suis pas satisfait que les poils soient opaques comme ça et que tout d'un coup, quand on n'est plus à côté, c'est complètement transparent, quoi. Ça manque de transparence, quoi, pour intégrer le chien dans le décor. Donc, à vous de voir si vous voulez utiliser cette technique-là ou pas. Je vais quand même enregistrer l'image ici. Donc, la technique sélectionnée et masquée, puis amélioration du masque.